هو العود اللي فيه له مجهود لمين اي بزنس الرحمله ناديا هزين طفله في الحومه طولها 180 وزيد غنجة والشعر طويل مسرسب حرير اليوم بنتي هي اللي باش طيب الفطور بوان با شنو العشاء طيب نعم وانهارت اللي حلت معاه نعملو شيء La publicité, c'est le règne des marchands depuis toujours. Il faut savoir que ça a été inventé dans les années 40 aux États-Unis. Au départ, c'était lié à quelques grandes sociétés industrielles qui cherchaient à mieux vendre. Donc un certain nombre de personnes ont commencé à réfléchir. Il faut même savoir qu'au départ, ceux qui ont créé la publicité, c'était des gens qui s'occupaient de la propagande militaire aux États-Unis. C'est de là qu'est née la publicité. Donc effectivement, la publicité, ça n'a qu'un seul but depuis toujours, et forever, comme on dit, c'est de vendre. Donc bien évidemment, c'est fait pour vendre des produits, des services, des comportements. Ça ne reflète en rien la réalité, puisque la publicité, ça a toujours eu pour principe de vendre un monde rêvé, quoi. Un monde rêvé où les gens consomment, où les gens sont heureux, où les gens se font du bien avec des produits, ou en mangeant des frites, ou en se nettoyant la peau avec une crème de beauté. Voilà, la publicité, c'est un truc pour vendre. Comme la femme était et encore un petit peu dans certaines sociétés la clé d'entrée sur la consommation, puisque c'est elle qui fait les courses, c'est elle qui va acheter à manger ou c'est elle qui organise tout pour la maison. Dans le temps, on appelait ça la ménagère de moins de 50 ans. Voilà, c'est un mot inventé par la publicité pour dire que voilà, la ménagère, c'est une femme qui reste à la maison, fait les courses et est censée bien nourrir ses enfants et son mari. Donc on l'a toujours mise en avant, la plupart du temps d'une façon, bon, de mon point de vue, assez grossière. Donc c'est la ménagère toujours heureuse de faire ses courses, d'être à la maison et de préparer des bons petits plats et de soigner sa famille. Alors bien évidemment, avec l'évolution des sociétés, en tout cas occidentales, la libération des femmes, le féminisme, etc., la libération des mœurs, petit à petit ça a évolué et on s'est dit en fin de compte les femmes ne sont pas que des ménagères de moins de 50 ans. Donc on a essayé de les segmenter, comme on dit dans notre métier, donc les jeunes un peu plus libérés, les femmes d'un certain âge mais qui veulent rester jeunes, les vampes, les courtisanes, celles qui sont prêtes à tout pour avoir la plus belle lingerie ou les plus beaux bas. Voilà, mais ça a toujours été très instrumentalisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt passé à la femme active, la femme qui veut tout de suite, la femme qui veut montrer qu'elle est la plus belle. Mais bon, encore une fois, ça ne reflète pas du tout la réalité. Et je pense que beaucoup de femmes ne se reconnaissent pas dans ce genre de portrait qu'on fait d'elles. Mais en même temps, comme la publicité s'adresse à des millions de gens en permanence, on crée des stéréotypes. Et c'est sur ces stéréotypes qu'on essaye d'ancrer des promesses, des slogans publicitaires. Voilà, donc ce sont les différentes facettes de la femme telles qu'elles sont caricaturées par la publicité. Parce que c'est la femme, c'est un produit de consommation un peu perçu. Et que la femme en elle-même, il te dit, je vais mettre une belle femme. Même si, parfois, l'annonceur le demande dans son brief à lui. Il se dit, voilà, je m'adresse à telle catégorie, mais d'abord, une figure féminine. Et la figure féminine attire, parce qu'il y a du beau, les hommes, ça peut les intéresser, et les femmes, elles peuvent s'identifier comme les magazines, c'est-à-dire il y a des canons de beauté, voilà, les hoa, les ptorzrela. Tu satisfais en fin de compte un client, un annonceur. Je pense que l'assignation de genre dans la publicité, ça se réduit à deux choses. C'est qui va acheter le produit en premier. Donc, comme on sait que la plupart des produits, même s'ils ne sont pas des produits
pour les femmes, ça peut être des produits pour les hommes ou pour les enfants, vont principalement être achetés par les femmes, on va essayer de toutes les façons de plutôt représenter la femme, ou la femme à côté d'un homme, ou la femme à côté de ses enfants. C'est parce qu'on cherche dans la publicité à qui on va vendre le plus vite possible des services ou des produits. Donc je pense honnêtement que les publicitaires ne se posent pas beaucoup de questions sur ces histoires de genre. C'est la société civile, ce sont des gens qui sont plus dans les sciences humaines ou dans les sciences sociales qui essayent de faire avancer ce sujet. Dans la publicité, encore une fois, la philosophie est toujours guidée par un seul vœu, c'est vendre plus et plus vite et mieux. Bon, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lire ces études ou qu'on ne va pas essayer de rebondir dessus, mais je pense qu'il y a un déficit évident d'intérêt par rapport à ça. Bon, il y a une évolution, parce que comme aujourd'hui la publicité est de plus en plus liée à des contenus sur le web, des choses sur Facebook, etc. C'est plus vraiment de la publicité au sens d'un petit spot de 20 secondes qui va passer avant le journal télévisé. On est forcé de faire plus d'efforts et d'essayer de raconter des histoires qui sont plus proches de la vie des gens. Donc là, effectivement, cette notion de genre ou de plus grande subtilité par rapport à la représentation de la femme peut être prise en compte. Mais bon, on s'en est en tout cas ici au balbutiement, quoi. C'est un reflet de la société. C'est la publicité, elle est dans son l'air du temps. Elle n'avance pas. Elle est pas en avance. C'est rare. Bon, à maintenant, ça change un peu. Il y a la nouvelle pub là où on va, parce que avant c'était, tu mettais une affiche ou tu passais un spot télé et puis c'est tout. Et les gens réceptionnent. Maintenant, les gens réceptionnent, mais ils répondent via les réseaux sociaux. Les marques ne sont plus juste je donne mon message et vous en faites. C'est-à-dire que voilà, juste j'étudie mon message, j'essaye de faire au mieux. Et j'ai des personnes qui réceptionnent, mais à autre chose. Tawa, c'est pas le cas. C'est pour ça que même beaucoup d'annonceurs se dirigent vers tout ce qui est en pub sociale, citoyenne. C'est parce qu'ils ont un retour négatif, ils ont besoin de s'exprimer autrement. Et c'est une bonne chose, hein, en soi, à la limite. C'est, pourquoi pas? Bah, si on en vient au sujet de la Tunisie, bon, c'est vrai que la Tunisie, c'est pas une critique méchante, hein, mais elle a beaucoup de retard sur les évolutions de la publicité mondiale, d'abord parce que ça a démarré beaucoup plus tard, et parce qu'un certain nombre de comportements qu'on peut voir dans d'autres pays commencent à apparaître ici, mais plus lentement. Donc c'est vrai que la publicité en Tunisie, elle continue à utiliser des archétypes qui sont assez anciens. Donc la femme parfaite à la maison qui va préparer les petits plats pour sa famille, alors qu'en vrai c'est pas ça, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes familles ou de jeunes couples en Tunisie qui se partagent les tâches, etc. La femme est beaucoup moins coincée chez elle qu'avant. Donc c'est pareil, c'est toujours une représentation un peu étroite de la réalité. Tatla hara déjà, qui tatla hara, kif ma omha ma anta shmanet. Ma anta hara, ma anta les matna tfbelgde, tgdbelgde. Mais c'est les annonceurs aussi qui demandent ça, ma anta. Et c'est une perception aussi de ma anta qui dit tahki ma l'abed aussi. Des femmes en elles-mêmes, elles se perçoivent aussi. Il y en a beaucoup qui se perçoivent comme ça encore. اللي هي لازمها تكون حرة حتى كي تسألك في الشارع ولا تبدأ تحكي ولا شو سيبا بزيت عروسة جديدة حرة أنا عرفت طيب عرفت toutes ces questions راجعين vers l'image traditionnaliste de la ménagère. Je trouve qu'il y a une régression quand même par rapport à la femme dans... Il y a eu une période avant la révolution où on commençait, par exemple moi j'avais travaillé sur Tunisiana. Et on mettait de plus en plus en avant des femmes d'affaires. Ou... Il y avait harakeya manta, il y avait quelque chose qui commençait. Après la révolution, il y a une chute. Même quand tu regardes les pubs, c'est toujours la même chose. De toute façon, c'est pas qu'il y a eu une grande évolution en bas d'abte d'un coup. C'est toujours la ménagère, la bonne femme de famille, li khayfa ala darha ou li manta dans les traditionnalistes conservateurs.
Et bon, une chose qui est apparue depuis le 14 janvier, c'est un peu deux extrêmes, quoi. C'est des femmes hyper conservatrices, on voit même maintenant beaucoup de femmes voilées dans la publicité, et puis d'un autre côté, des femmes beaucoup plus libérées, qu'on voit courir dans des tenues plus légères, avec une attitude beaucoup plus libre, dans des cafés, avec des jeunes, enfin c'est surtout pour les opérateurs télécom ou pour des produits qui s'adressent aux jeunes. Donc voilà, ça évolue beaucoup, mais ça reste quand même très très loin d'une réalité, et ce n'est pas fait avec beaucoup de subtilité. Les produits de beauté, etc., commencent à mettre beaucoup de femmes voilées dans leur publicité, hein. Pas forcément à la télévision, mais de l'affichage. Non, il y en a quand même pas mal. Hein. Mais bon, en même temps, ça vient ici, mais tu prends n'importe quelle publicité au Moyen-Orient, toutes les femmes sont voilées. Hein. Donc voilà, je pense que c'est encore une fois, c'est lié à des circonstances beaucoup plus larges que le problème du voile ici ou non. Quoi. Rien n'est fait par hasard dans la publicité. Donc quand il s'agit de produits pour des gens plus jeunes, on va essayer d'utiliser toutes les stratégies possibles pour leur envoyer une image de jeunesse, même d'une jeunesse plus libérée dans la publicité qu'elle ne l'est en vrai. Et quand il va s'agir d'un aspect plus conservateur, on ne va pas hésiter, comme certaines marques de shampoing ou de lac, etc., de mettre sur les packaging une femme voilée, alors qu'on n'aurait jamais vu ça ici il y a encore quelques années. Donc, sans prendre position dans un sens ou dans l'autre, la publicité, encore une fois, elle essaye d'être le reflet d'une certaine forme de société. Voilà, donc on sent qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert dans les deux sens. Et c'est vrai que le mélange des deux fait un petit peu bizarre, quoi. Il y a des choses qui sont de plus en plus halal et des choses qui le sont de moins en moins. La femme fatale est partout, donc pourquoi elle ne serait pas ici? Sachant que, voilà, encore une fois, c'est des portraits un peu excessifs. Donc la femme fatale, elle est hyper séductrice, elle est hyper courtisane, elle est hyper chic, elle est hyper bien habillée, elle est hyper frivole parce qu'elle ne s'intéresse qu'à porter des nouvelles choses, etc. Bon, je ne sais pas si elle séduit beaucoup d'hommes. Et deuxièmement, je suis sûr par principe que 99% des femmes la détestent. Mais bon, ça c'est un peu aussi l'erreur des publicitaires, quoi. Je pense qu'ils sont encore sur des vieux principes, quoi. Et en ce qui concerne les femmes plus traditionnelles, bon, c'est vrai qu'on essaye toujours de faire rêver dans la publicité, quel que soit le sujet, c'est un vieux réflexe, quoi. On essaye toujours de présenter un monde meilleur. Donc c'est vrai que même la ménagère, on va essayer qu'elle soit plutôt jolie, très bien habillée, faisons plutôt plus jeune que son âge, la cuisine va être parfaite, ce qu'elle va mettre dans la poêle va être magnifique, ses enfants vont être très souriants, même si on a une représentation de la femme dans un intérieur traditionnel, on va faire en sorte que les mosaïques soient parfaites et qu'il y ait le dernier canapé. Voilà, c'est logique, c'est un peu comme Peter Pan ou Walt Disney, quoi. Alors tu as la femme, sorcière. La femme sorcière, c'est la femme qui réussit. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que ce soit dans les films, dans les séries, tunisienne ou ailleurs. La femme qui réussit, elle s'occupe pas bien de ses enfants, son couple va mal, elle divorce ou elle ne s'est pas mariée ou c'est une vieille fille, c'est une hystérique, mais elle réussit. C'est-à-dire que tout est lié à la réussite de la femme est négatif. Par contre, est à la blonde, la bonne femme qui est aimante, qui aime son mari et tout ça, et qui dépend de son mari financièrement, ou son mari gagne plus qu'elle, ou dans tous ces stéréotypes-là, qui est à la maison, et c'est une bonne mère, c'est une bonne personne socialement. Et tu as aussi la femme secrétaire, c'est maîtresse. C'est-à-dire qui va donner des leçons à tout le monde, la complexer. Voilà, c'est les trois types de femmes que nous véhiculent et les médias, et la pub, et la société. Et,
Depuis toujours, on appelle ça le bureau de vérification de la publicité. Dans certains pays, ça s'appelle autrement, etc. Il y a toujours des organismes gouvernementaux qui essayent de donner un cadre pour l'expression publicitaire. Mais comme les publicitaires sont très intelligents, par principe, ils font tout pour essayer de déborder ce cadre. Et aujourd'hui, il y a plein de formes de publicité beaucoup plus subtiles. Ça s'appelle le product placement, par exemple. Donc on va mettre à l'intérieur d'une série, à la télévision, à l'intérieur de n'importe quel film, etc., des produits. On va faire en sorte que les gens les utilisent ou qu'ils soient très très bien placés dans le champ de la caméra. Donc c'est une forme de publicité déguisée. On voit ça dans les clips, on voit ça partout. Hein. Donc voilà, je pense que encore une fois, quand on part du principe qu'on doit vendre et qu'on est toujours au siècle des marchands, voilà, tout est bon pour vendre. Donc même de façon subtile, voire à la limite de l'interdit. Au sein des équipes, je parle des normes d'agences internationales et tout ça. Donc tu as la création, elle est tenue par le directeur de création. Et c'est très rare de trouver dans ces postes-là des femmes. C'est l'homme qui crée. Pourtant, dans les autres postes, donc directeur commercial ou directrice générale, tu trouves des femmes. Donc déjà dans le processus créatif, c'est rare que de s'arrêter dans des agences et de se dire non, quand même l'image de la femme elle est très mal perçue, ou il n'y a pas ce réflexe réellement dans la vie de tous les jours. C'est comme dans la vie courante, tu fais, il n'y a pas un vrai, t'as une vraie prise de conscience de l'image médiatique de la femme, même dans les télés, on le voit, c'est de pire en pire, par exemple en Tunisie depuis la Révolution. Bon, on dit beaucoup que la publicité reste quand même sexiste, transmet une vision de la femme, mais elle a aussi contribué à faire évoluer la vision de la femme, parce que bon, on peut dire beaucoup de mal de la publicité, mais comme c'est une représentation de la société et des avancements de la société, et qu'il y a énormément d'argent qui est dépensé en publicité, dans certains cas, ça peut faire évoluer les mentalités. Et bon, il y a eu quelques campagnes très célèbres qui ont tout d'un coup montré une femme infirme, une femme qui était moins belle que les autres, mais qui devenait la star d'une publicité. Ben ça a contribué aussi. Donc, tout n'est pas mauvais dans la publicité. Mais bon, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, notamment dans cette région-ci, pour que les mentalités évoluent. Tu ne peux pas demander aux publicitaires de changer la face du monde. Ce n'est pas eux qui changent la face du monde. C'est pas un métier réellement. Il y a de la créativité, mais c'est un business. C'est-à-dire que moi, je dois satisfaire aussi un client. Sexué, bah, bien évidemment, puisque, encore une fois, la libération des mœurs un peu partout fait qu'on montre plus facilement, sans tomber bien sûr dans l'érotisme ou la pornographie, mais les rapprochements intimes entre les hommes et les femmes, et la publicité essaye d'en jouer jusqu'à la limite du possible. Donc ça, bien évidemment. Hein. Et en plus, c'est assez simple parce que comme les journaux, les magazines, les films sont de plus en plus, je dirais, libérés sur ce plan-là, la publicité ne fait que suivre ces tendances. Sexiste. Bon, tout dépend ce qu'on entend par sexiste, parce que encore une fois, si c'est pour dire que la publicité traite plus mal les femmes aujourd'hui qu'avant. Je ne pense pas, parce que la ménagère de moins de 50 ans, c'était vraiment la caricature qu'a traîné le monde entier pendant, depuis les années 40 jusqu'en l'an 2000, pendant 60 ans. Quoi. Donc oui, elle reste sexiste, mais ce n'est pas sexiste simplement vis-à-vis des femmes, c'est vis-à-vis des gens qui sont différents. Quoi. Je ne sais pas, dans la publicité, on voit très peu de noirs, on voit très peu de transsexuels, on voit très peu d'homosexuels, on voit très peu de gens qui sont bizarres. Voilà, la publicité n'aime pas les gens différents. La publicité aime bien les gens normés, quoi. Donc, plus sexiste qu'avant, non, je ne pense pas.
Il y a un vrai recul même des mouvements féministes. Il y a un recul de la notion. Maintenant, quand quelqu'un, une femme dit « je suis une féministe », c'est presque honteux. « Ah, t'es féministe ?» Et tu sais pas, même l'essence lui-même du mot a perdu. C'est resté dans juste des revendications. Tu veux ressembler à un homme exactement. Alors que c'est, le féminisme, c'est juste un humanisme, à mon sens. C'est-à-dire que c'est des droits, juste des droits humains. Et dans la pub, là, et dans le monde artistique, où t'as ou la femme burqa, c'est deux grandes tendances, et t'as comme le twerk, dans les clips, c'est vraiment la femme objet. Et la pub va suivre une de ces deux tendances, quelque part. Tu regardes maintenant partout, il y a un vrai recul, hein, même en Europe, même, c'est-à-dire qu'il y a un vrai recul par rapport à la perception de la femme, par rapport à un moment, elle s'est éloignée de la femme objet quelque part, c'est d'autres valeurs, et maintenant c'est une autre tendance mondiale. Après, c'est sûr que tout le monde n'est pas pareil, il y a des problèmes de législation, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup des barrières même transparentes vis-à-vis des femmes et qu'elles-mêmes, elles s'imposent. C'est là, elle est plus garante de la tradition, c'est elle qui est garante de la religion, c'est elle qui doivent être quatre. Donc dans la pub, elle est utilisée aussi dans cette image-là. Moi, je suis partie en Italie l'année dernière, dans le cadre d'une association féministe qui s'appelle Pari o Dispari, et eux, ils ont fait une très bonne initiative. Ils ont fait comme un observatoire plus ou moins de la pub, de ce qui se fait, et ils ont sorti une charte de bonne tenue, on va dire, par rapport à l'image de la femme dans la publicité. C'est une charte qu'ils ont fait signer par des grandes marques en Italie, par des annonceurs et des agences, et le syndicat des agences. C'est-à-dire que c'est moral, hein. C'est moral, mais il y a une prise de conscience, et il y a des annonceurs, qui, comme Emmy, par exemple, c'est ce dont je me rappelle, qui ont signé, et ils ont signé que voilà, ils ne vont pas utiliser la femme dans ces positions-là, dans ce stéréotype-là, parce que tu as des stéréotypes terribles.